remontée de Paris avec George et Giorgio. George et Giorgio qui peut la donner, c'est bien fait. Là, sortie magnifique de Gringe. C'est un signe pour l'OM. C'est un grand signe. Qu'est-ce qu'il refoule le mec? Ah, écoutez, quelle sortie du portier, grand jeu! Mais qu'est-ce qu'il y a de fou? Est-ce que vous pouvez le redire, monsieur? Watch it. Putain, qu'est-ce qu'il y a de fou, le mec? Je ne sais pas à qui il s'adresse, mais ça doit envoyer grave dans le buccal. Je pense, les amis, qu'il y a un coup franc. Hein. Jacques, tu suis plus le match depuis tout à l'heure. Il y a un bon coup franc de 38,52 m. Ça fait moins 5 minutes que t'as pas foutu l'œil sur la télé. Pisoté, hein, j'ai bien vu, mais... j'ai bien vu. Quel enfoiré. Force bureaucratie. Attention, l'OM. Ne gaspillez pas les munitions comme ça. Bonne tête, ah, goal. Goal de l'OM. Goal de Van Bruyten. Pas qu'on soit pour Marseille, mais... Ouais, ni pour les prolongations, mais... C'est plus équitable comme ça, là, tu vois. C'est du vrai football. Alors maintenant, chacun doit se départager. Yeah, go. Oh, une tête contre une tête, ça fait but égalisé. What a beautiful bet. It's 1-1 now here in Park of Friends. 1-1-1-1. Ah, c'est superbe. TF1 veut aussi des matchs à spectacle, à suspense. Il y a eu des 3-3 la semaine dernière partout. TF1 veut, ils en veulent tous. Qui va marquer? Qui va gagner? C'est reparti, qui aura cette balle? Ce sont les Marseillais, requinqués par ce putain de but. Hein. C'est pas un méga match, mais bon. C'est pas méga moche non plus. Ah oui. 6 chefs. On fait entrer 6 chefs du côté marseillais. Oui, parce qu'il y a besoin d'un grand patron. Effectivement, maintenant... On a le culte du grand patron dans ce club. C'est vrai ça, Jacques. Très très bonne et très très fine analyse. Bravo. Bravo le con. Putain, qu'est-ce qui m'a sorti là? Alors, le ballon est remonté par des Olympiens là qui en pètent dans les chaussettes. Ouais. Mais pètent comme de l'aigri. C'est dégagé, tête parisienne, on essaye de relancer maintenant et de ramener le ballon le plus près possible de la surface de réparation. Oh là, mais il se croit à l'entraînement là. Hein? Je le pense avec Tornadino. Donaldinho. Non Jacques, j'ai la fiche technique, hein, la fiche officielle du PSG. Ouais, mais Sportos, c'est pas officiel. Ah, je pensais que cette année... Nous avions obtenu des droits, c'est un coup franc, un terrible coup franc, et là il va y avoir. Oh là là, Esta Rotten. Carton jaune pour l'arbitre. Rouge. Non. Carton rouge pour le juge de touche. C'est la première fois que je vois ça. C'est extraordinaire. Il s'est précipité sur son assesseur, il y a distribué un carton rouge alors que ça c'est le chamaille. Ouais. Et il n'y a pas que chamaille qui maille. Non là, ça y est, c'est parti. Mal finito, hein. Voilà, nous interrompons nos programmes. Très fin. Il y a Tata Yo-Yo qui va aller négocier, on se demande ce qu'elle a Tata Yo-Yo ce soir, elle est remontée grave. Et c'est pas un exemple à donner, messieurs. Ouais, on nous montre encore des jeunes qui se battent. Des jeunes. Difficile de gagner sa croûte. Bon, messieurs, reprenez s'il vous plaît le cours du jeu. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur les 94 de la bande FM. Et qu'il y a des émissions qui priment. Difficile de rester serein dans le foot. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça sent la déroute. Oh ouais. La violence dans le foot. Arrêtez ça, coûte que coûte. Ça sent la déroute. Tu en doutes, on dirait. Du tout. C'est un coup franc, il sera pour les Parisiens. Ce coup franc pourrait être fatal aux Marseillais, Jacques. Yes. Quelque chose me dit que cette tension précédente n'est pas innocente. Et quand ça te dit... Je n'aime pas ça. Ça me dit aussi. Aïe, cette musique derrière, lancinante. Yes.
silence. Ah, silence, sinante, si le TFC était là. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Oh, waouh, waouh, et les Marseillais sont... Yes, yes, it's open now. Yes. No. Oh, il a mal tiré cette arme. Il l'a mal tiré, Donald Didio. Quel con. Et ce sont les Parisiens qui peuvent récupérer le ballon. Il est là, cette fois-ci, il peut se rattraper, il le fait. C'est sûr. Il a centré, mais ça n'a pas été récupéré. On se gêne, mais les Parisiens sont encore là pour récupérer les détournés. Cette frappe, dommage. Ouh, grand jeu. Calme-toi, tranquille, parce que là, vous êtes pas très bien, Marseille. Yes, mais ce sont les dernières minutes de jeu pour les deux équipes. It's the last minute, yes, Ruga. Ah ouais, ouais, tu commences à me faire chier, hein. Ouais, je t'emmerde. Jackie, invitez au moins les mecs sympas, qui vous aiment. C'est le seul mec à s'inviter, des gars qui veulent pas le saquer, il est con. Attention. Nous filons droit vers la prolongation. Je vois pas comment et quelle action pourrait nous sauver. Quoi, de la prolongation? Je crois que c'est fait. Ça y est, c'est sifflé. Oh là 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 là. Yes, 30 minutes de plus. Entre les deux. 30 minutes entre les deux équipes. C'est parti pour 30 minutes entre les deux équipes. À moins que ce soit le but sec. J'y crois pas. Là, ils aiment ça, TF1, le jeu. Qui a l'équipe? Il doit bien avoir un règlement quelque part. Paris a récupéré donc le ballon, 2 fois 15 minutes entre les deux formations. Ça, ouais, ça va être terrible. Parti. Comprenez-nous, c'est reparti. Ils nous coincent, hein, les bougres de salopards. Hein. Ils nous coincent. Oui, alors là, le ballon se cherche à nouveau. Hein, il a perdu ses repères. Ah ben, tu parles, le ballon. Je sais plus, hein, d'habitude. D'abord, il devait jouer qu'une mi-temps, oui, le ballon, maintenant, il fait des prolongations. Voilà, là, quand même. Avec le nombre de coups de savate qu'il a pris, le type, il commence à en avoir plein le cuir. C'est un fait. Le téléphone ne fonctionne pas bien, peut-être. 94. Combien? 94 FM. C'est le bon chiffre. Bon, bien écoutez, on profite de ces dernières heures de janvier pour vous souhaiter une bonne année. Ah. À l'émission, Sportaz, et puis, bon, prolongation, on n'est pas prêt de bouffer. Hein. Passer à table. Allez, what a bye. Et ils sont tous là, ils sont venus, ils sont tous là. Hein. Ok. Sportaz. Bien. One Nation. Allez, what a bye. Yeah. Petit mot de soutien à cette 100ème minute. Ouais, il avait l'air un peu fatigué avant de manger. Il serait temps de manger peut-être. C'est vrai qu'il est un peu fatigué. Le ballon est olympien.